Good morning, Ale Eden. L'étude sera aujourd'hui les Elonishmat Rivka Batsara, Rachel Rachel Batsara, Zara Batmazal Tov, Yaakov Ben Blanche Rajaj. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Baba Batra Perek Aleph, Mishnah Vav. En Cholkin et Echatzer, Ad Sheyehe, Arba Amot Leze, Ve Arba Amot Leze. Velo et Asade, Ad Sheyeba, Tisha Kabin Laze, Ve Tisha Kabin Laze. Rabbi Yehuda Omer, Ad Sheyeba, Tishat Chatzaye Kabin Laze, Ve Tishat Chatzaye Kabin Laze. Velo et Agina, Ad Sheyeba, Chatzikav Laze, Ve Chatzikav Laze. Rabbi Akiva Omer, Bet Rova. Velo et Atraklin, Velo et Amoran. ולא את השובח, ולא את התלית, ולא את המרחץ, ולא את בית הבד, עד שיהיה בהן כדי לזה וכדי לזה. זה הכלל, כל שיחלק ושמו עליו חולקין, ואם לאו אין חולקין. מתי? בזמן שאין שניהם רוצים, אבל בזמן ששניהם רוצים, אפילו בפחות מכאן יחלוקו, וכתבי הקודש, אף על פי ששניהם רוצים, לא יחלוקו. משנה, לונג, mais très simple. Elle repose sur un principe essentiel qui est rapporté vers la fin de la Mishnah, la phrase de Zeh Haklal, Kol Sheyechalek Ushmo Alav Cholkin Veimlav En Cholkin, et on va commencer par expliquer cette phrase. Ensuite, quand on reprendra la Mishnah, on la retraduira de nouveau, mais en tout cas, étant donné que tout se trouve ici, on commence par elle. On continue à parler, bien sûr, de la fameuse cour des associés, des voisins associés pour le moment dans une cour commune qu'ils décident de se partager. Et la Mishnah va venir nous enseigner à partir de quand deux associés sont en droit de réclamer de se partager le bien qu'ils ont en commun. On peut parler d'associés parce qu'ils achètent tout ensemble, on peut parler aussi d'associés parce qu'on parle de deux héritiers, ils ont hérité d'une maison, la question va être de savoir comment se partager une maison. Est-ce qu'on peut imposer à l'autre que l'on coupe la maison en deux? Et la Mishnah nous enseigne ici la grande règle. Zehaklal, telle est la grande règle. Oui, on est vers la fin de la Mishnah. Zehaklal, telle est la règle. Kol sheyechalek ushmo alav, toute chose que l'on partagera, ushmo alav, et son nom sera encore sur lui. Cholkin, on le partage. Veimlav, et sinon, en cholkin, on ne le partagera pas. Soit, chaque chose a un nom qui le définit, une fonction. Et on va s'intéresser, lorsque l'on va le couper en deux, est-ce qu'il aura encore cette même fonction ou non? Bien sûr, il aura SR. On va prendre un cas concret. Le cas d'un châle. Un châle, un talit. Ça va être un cas expliqué, explicité par la Mishnah elle-même. Un talit, ça peut être un talit de mitzvah, avec lequel on fait la prière, ou même tout simplement un châle. À l'époque, on pouvait se couvrir. On peut parler de drap aussi, c'est le même principe. Un drap, c'est un morceau de tissu qui a une certaine taille. Et on l'a pour le moment, on est tous les deux associés dessus, on est par exemple deux héritiers, et on veut se le partager. Si on le coupe en deux, est-ce qu'il restera encore deux draps ou non? Bien sûr, il restera deux draps qui sont encore petits, mais ce sont encore des draps. Idem pour un châle. On peut le couper en deux, certes, au début on pouvait l'utiliser pour un adulte, à présent, quand on va le couper en deux, ça nous fera deux châles d'enfants. Chacun pourra en prendre un. Lorsqu'on le partagera, c'est-à-dire on le coupera en deux, puisque son nom sera encore sur lui, ça s'appellera encore un châle que l'on a devant nous, alors on pourra le partager, on imposera à l'autre de le couper en deux. Et sinon, alors on ne pourra pas le partager. Ça veut dire quoi qu'on ne pourra pas le partager? Bien sûr, tout associé est en droit de réclamer, est en droit de demander à se séparer de son associé. Mais, lorsque l'on ne peut pas couper l'objet en deux, par exemple, c'est un châle d'enfant. Si on le coupe en deux, il va nous rester deux napperons. Ce ne sera plus des châles. Alors, on ne pourra plus imposer à l'autre de le couper en deux. Parce qu'on a pour le moment un châle, et on veut qu'il y ait à la fin un chmo à lave. Il faut qu'il y ait son nom dessus. C'est-à-dire, une fois qu'on le coupe en deux, qu'il reste encore dans le petit, il reste encore le nom du grand. C'est-à-dire que ça s'appelle encore un châle. Or, ce n'est plus un châle, c'est un napperon. On ne pourra plus l'imposer à le partager. Alors, qu'est-ce qu'on fera? On fera ce qu'on appelle Godo et Good. Godo et Good. D'abord, on introduit la notion, ça signifie tout simplement une montre, ça coûte 1000 shekels, on ne peut pas la partager en deux, on ne peut pas prendre moi le bracelet et toi le cadran, ou le contraire, ce n'est pas une manière de partager, pourquoi? Parce que plus personne n'aura une montre qu'on met sur le poignet, bien sûr, plus personne n'aura de montre à la fin. Donc, la solution, c'est de dire, écoute, ça coûte 1000 shekels, la moitié, ça veut dire que moi j'ai 500 et toi tu as 500 dessus. Moi, je réclame à me séparer de toi,
Alors, je suis fair play et je te dis, écoute, soit je te donne 500 shekels et je garde la montre, soit tu me donnes 500 shekels et toi tu gardes la montre. Mais en tout cas, je ne reste plus associé avec toi. D'accord ? Ce sera la manière de se partager ce qu'on appelle good et good. Précisément, good, ça signifie couper et trancher. La koutz en hébreu, qui est aussi fixer le prix. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment de traduction littérale, c'est un peu compliqué. Il y a un petit Tosfot Tov qui rallonge sur le sujet. En tout cas, le principe, il est je fixe ou tu fixes. C'est-à-dire, je donne la compensation ou toi tu la donnes. C'est le principe. D'accord ? Good et good. Dans ma Bavatra d'Afiud Gimel, c'est une notion assez connue dans les Shivot, on étudie ça. C'est une sugya importante, très intéressante, qu'on étudie dans les Yeshivot. Concrètement, on a fini avec la règle et on commence à présent à étudier la Mishnah. Bien sûr, le principe, donc, on retient. Est-ce que dans la petite moitié, est-ce qu'il restera le nom du grand ou non ? S'il reste, ou on partagera, s'il ne reste plus, alors on devra faire ce fameux système de Godoy Good. On propose le prix à l'autre et voilà. On commence avec la première partie de la Mishnah. On ne partagera une cour que s'il y a 4 amot pour l'un et 4 amot pour l'autre. 4 amot, c'est en réalité 4 amot sur 4 amot. Ça va nous faire 16 amot carrés, l'équivalent en fait de 4 mètres carrés, c'est-à-dire 2 mètres sur 2 mètres. C'est-à-dire, une cour, on a déjà introduit cette notion déjà dans la Mishnah précédente. Une cour, ça nous sert à faire plusieurs utilisations, entre autres laver le linge, entreposer des choses. Lorsqu'on a envie de faire de la menuiserie, on sort dehors et on met les outils par terre, on travaille dessus. Un minimum de cour exploitable où on peut faire des choses intéressantes, c'est 4 amot sur 4 amot. De ce fait, si on a une cour qui va faire 7 amot, donc si on se la partage, ça va faire 3,5 sur 3,5, sur 4, bien sûr, en tout cas dans la largeur, ça ne va faire que 3,5. Donc, ce n'est plus une cour et tu ne pourras pas m'imposer de la partager. On pourra éventuellement demander, comme on a dit, good et good. Là n'est plus le sujet de notre Mishnah. Notre Mishnah est juste de savoir est-ce qu'on a le droit d'imposer à l'autre de couper en deux et que chacun reste chez soi. Ça, c'est pour la Mishnah. Maintenant, précision importante qui est rapportée dans la Gemara, qui va être rapportée dans le Barthénois, attention. Les 4 amotes, c'est 4 amotes nettes, pas 4 amotes brutes. C'est-à-dire, de quoi on parle, pas par rapport au mur qu'on a évoqué, ça c'est un autre problème, mais par rapport à autre chose. Par rapport à 4 amot shel ptachim. Il faut savoir, à l'époque, quand, vous imaginez bien la scène, quoi, lorsqu'on a une cour commune avec un voisin, on a la porte d'entrée, et on a, d'accord, la porte d'entrée, chacun sa porte, et après, il y a la partie commune qu'on utilise. La porte d'entrée, elle doit rester libre. Elle doit elle-même faire 4 amot. C'est-à-dire, lorsqu'on va compter la cour, on va d'abord, pour savoir si on peut la partager ou pas, on va donner devant chaque porte, on donne d'abord une largeur de 4 amotes. 4 amotes, 4 amotes. Ensuite, on s'intéresse sur la bande qui reste entre les deux, parce que cette fois-ci, il reste encore 4 amotes et 4 amotes. En réalité, en fait, on va se partager une cour que s'il y a 8 amotes et 8 amotes. Parce qu'il y a 4 amotes des ptachim, des portes, que l'on laisse, qu'on doit laisser, parce que lorsqu'on veut décharger, par exemple, l'âne, on revient du marché avec l'âne, on veut le faire entrer jusqu'à l'entrée de la porte, jusqu'à l'entrée, et on le laisse là-bas, comme ça on peut décharger, être directement dans la maison, on ne va pas laisser les choses dehors et ensuite marcher pour rien. C'est 4 amot shel ptachim, d'accord ? On va se contenter de ça uniquement, c'est déjà pas mal. Donc, en fait, quand même, dans la Mishnah, enrolkin atachaser, on ne partagera la cour. Achiye, 4 amot lezé, 4 amot lezé, jusqu'à qu'il y ait au moins 4 amot pour l'un, 4 amot pour l'autre, outre les 4 amot de ptachim. En réalité, donc, il faudra 8 amot pour lui, et pour l'un, et 8 amot pour l'autre. On passe maintenant au champ. Et alors, le champ avant. Non, on commence à lire et traduire, on explique après. Velo et asadé. On ne partagera pas non plus le champ. Achieba tish'a kabin lazé, ve tish'a kabin lazé. Jusqu'à qu'il y ait 9 caves pour l'un et 9 caves pour l'autre. Le cave, esclave Goudo, vous vous rappelez bien, efface à kavlog, c'est une mesure de volume, il y a en réalité un problème. On va en parler dans quelques secondes. Mais auparavant, je voudrais d'abord juste introduire une certaine problématique. Logiquement, dans un champ, ça sert à quoi un champ ? À planter. Finalement, pourquoi est-ce que je suis limité par une taille ? Même sur 1 mètre sur 1 mètre sur 1, on peut aussi planter. Pourquoi la Mishnah me donne une mesure tellement grande ? En l'été du Tishakabin, ça c'est la correspondance, je peux vous la dire tout de suite. C'est rapporté dans le Tosfot Yom Tov. Tishakabin, ça fait l'équivalent de 3750 amot carrés. L'équivalent de, ça rapporte dans l'Antiquité d'Israël cette fois-ci,
l'équivalent de 61 sur 61, voilà, c'est ici, 61 sur 61 amot, l'équivalent de 30 mètres sur 30 mètres, c'est le minimum d'un champ. Donc je vous ai dit, question, pourquoi on me limite un champ à 30 mètres sur 30 mètres, même sur 10 mètres sur 10 mètres, je peux planter aussi du blé et des tomates. Pourquoi je suis limité à 30 mètres? Là, il y a une notion importante qui intervient, ça va être apporté plus loin en fait dans le Barthénois, mais je crois que c'est le même principe, c'est que un champ, il a une rentabilité pour laquelle on apporte des outils et on les utilise, on amène un employé qui va travailler. Il faut qu'il y ait un minimum de travail pour une journée de travail ou une certaine rentabilité pour pouvoir l'exploiter. Vous imaginez bien que si vous avez un champ de 4 mètres carrés, vous n'allez pas bloquer une charrue pour venir labourer ces 4 misérables mètres. Si déjà vous venez avec la charrue, c'est pour en faire un travail conséquent. Vous la prenez pas pour travailler pour 2 heures, pour une journée de travail. Alors une journée de travail, Chachamim, ils ont estimé ça, qu'il fallait Tisha Kabin Lazé et Tisha Kabin Lazé, c'est un certain rendement. D'accord ? Maintenant, on a soulevé le problème que Tisha Kabin, c'est un volume, et là on parle de surface. On parle pas en mètres cubes pour parler de mètres carrés, il y a un problème ici. En réalité, la notion générale, on rencontre souvent cette notion, en réalité, quand on parle de Tisha Kabin, quand on va parler de volume pour une surface, en réalité, c'est le volume nécessaire pour semer des graines. Lorsqu'on plante des graines de blé, il y a une certaine densité, densité à laisser pour le blé. C'est-à-dire, vous imaginez bien, si vous prenez une poignée de blé, de graines de blé, vous allez l'étaler sur 10 mètres carrés, vous allez perdre tout ce qu'il y a au milieu. Vous aurez pu l'étasser dans une certaine... dans une petite surface uniquement, et comme ça mieux exploiter le champ. Il y a des règles chez les agriculteurs, combien semer. Lorsqu'on parle de Tisha Kabin, un sadé qui fait Tisha Kabin, une certaine quantité de graines, c'est en réalité le champ minimal pour planter ces 9 caves de graines. D'accord ? Principe simple. Et on continue la Mishnah avec Rabbi Yehuda qui discute apparemment, qui nous dit Achieva Tisha Chatzae Kabin, Lazev et Tisha Chatzae Kabin. Rabbi Yehuda lui pense qu'il ne faut pas 9 caves, mais 9 demi-caves. En réalité, la Gemara explique qu'il n'y a aucune discussion entre les deux, la superficie restera la même. Seulement, dans le pays de Rabbi Yehuda, dans la ville de Rabbi Yehuda, la terre était beaucoup plus fertile, et de ce fait, on pouvait semer beaucoup moins de graines pour obtenir la même quantité de fruits. Et puisqu'on s'intéresse en fait au rendement du champ, alors il va nous réduire de moitié la quantité de graines à semer pour en fait définir la même superficie. D'accord ? La même surface. On continue à présent la Mishnah avec Veloeta Gina, Acheba, Chatika Blazé, Chatika Blazé. La Gina, maintenant, la Gina c'est le verger, ou le potager aussi ça peut être, jusqu'à qu'il y ait, alors cette fois-ci c'est un autre type de travail, on ne laboure plus avec une. D'accord, c'est du travail de moins grande échelle, c'est beaucoup plus concentré, beaucoup plus réduit dans la taille. Et on se soucie toujours de laisser de quoi faire des journées de travail entières et pas d'amener un employé qui pour quelques 2-3 heures uniquement et après on finit le travail ici. Et donc, Chachamim ont évalué ça à Chatzika Blazé, Chatzika Blazé. Jusqu'à que l'un lui reste la moitié d'un cave pour l'un et la moitié d'un cave pour l'autre. Si vous voulez une correspondance, alors cette Tiferet Israël, c'est un professionnel pour nous faire ça constamment, et c'est super d'ailleurs, ça fait Reshret Amot, 208 Amot Merubaot, 208 Amot carré, donc l'équivalent de 14 Amas sur 14 Amas, 7 sur 7, avec Anne Sinclair. Rabbi Akiva Omer, Betrova, et selon Rabbi Akiva, il faut réduire ça à Betrova, alors là le Bartonor va nous expliquer la même notion, que c'est qu'une question de fertilité de terre, et on continue. Maintenant, Velo et Atraklin, Velo et Amoran. Traklin, Moran, ce sont deux sortes de châteaux, de résidences, de pavillons, d'accord ? Deux types, les commentateurs ne précisent pas plus que ça. Deux types de maisons, de nouveau. Lorsqu'on veut se partager une maison, on a un 4 pièces. Ouais, le père, avant de quitter, leur a laissé un 4 pièces, ils pourront en faire deux pièces, il n'y a aucun problème. Par contre, si le père, en quittant, il a laissé un château, alors c'est une certaine qualité de vie. Ça a une certaine fonction, on ne peut pas le couper en deux et faire un château en deux pièces, c'est plus un château, c'est n'importe quoi. Donc de ce fait, ça perd son nom, donc on le partagera en faisant Godo et Goud. Par contre, si c'est un château gigantesque et on va pouvoir le partager en deux en faire deux petits châteaux, alors c'est bon. Sur ça, il y a des règles, la Mishnah n'a plus rallongé pour la Gemara, n'a plus explicité trop
comment précisément définir chaque chose, mais on a compris le principe. Donc, Veloeta Traklin, Veloeta Moran. Donc, on a dit Traklin, Moran, ce sont deux sortes de châteaux. Veloeta Shovar. Un Shovar, c'est un pigeonnier, je crois que ça s'appelle. Un endroit où on élève des pigeons. Et de nouveau, il y a, selon le même principe, un certain rendement dont on se soucie, qui est lié à chacun un Shovar, que chacun reste, garde ensuite un Shovar, un pigeonnier. Veloeta Talit, et pas non plus un châle. Veloeta Merchat. Idem aussi pour un bain, je sais pas, un bain public, en tout cas, d'accord, un bain public. Velo et betabad, un pressoir. Ache et bahen, kedelaze, ve kedelaze. Il faut qu'il y ait, au final, de assez pour l'un et assez pour l'autre. C'est-à-dire, zéaklal, la Mishnah nous dit maintenant la généralité. Kol shei chalek ou shmo alav. Toute chose que l'on se partagera, ou shmo alav. Il préservera son nom. C'était un châle, ça reste un châle. C'était un château, ça reste un château. Plus petit, mais ça reste un château. Alors, Cholokin, on se le partagera. Veimla, par contre, s'il ne garde plus son nom, c'était un châle, ça devient un apron. Alors là, non, En Cholokin, on ne le partagera pas, c'est-à-dire on ne le coupera pas en deux. On se séparera de l'associé, pas en le coupant en deux, mais en faisant plutôt donc, le fameux Godoy Good qu'on reverra ensuite dans Marten Roi. Et Matai, maintenant la Mishnah va nous donner une précision un petit peu originale, mais en fait le but est d'arriver ensuite sur la redescente, les Kitva Kodesh. Et Matai, quand est-ce que toute notre Mishnah nous dit, si il y a de quoi donner à chacun, on donne à chacun, sinon on ne donne pas, Bizman She En Shnehem Rotsim, lorsque les deux ne veulent pas se partager, un veut se séparer, l'autre ne veut pas se partager, Aval Bizman She Shnehem Rotsim, par contre si les deux sont d'accord de se partager, même avec moins que ça, ils se partageront. C'est-à-dire, si, je sais pas moi, on a laissé même une paire de chaussures, et ils décident de se partager, et l'un il prend la droite et l'autre la gauche, même si on parle de gens originaux, et ben, qui se partagent, on n'a pas de problème. Pour les bons gens, on n'a pas besoin de Mishnah, on n'a pas besoin de Halakha, faites ce que vous voulez. Vous voulez vous partager une bouteille, l'un prend le bouchon, l'autre il prend la bouteille, aucun problème. J'ai cette caméra devant moi là, un il veut prendre la caméra et l'autre le pied, aucun problème. Par contre, s'il y en a un qui fait des problèmes à l'autre, alors on va voir, la caméra on peut pas la couper en deux, il va falloir faire un good et good. Le pied, il va falloir le couper en deux, on fera de nouveau good et good. On ne pourra pas le dire prends-toi la caméra et moi le pied ou le contraire. Non, on prend chaque chose indépendamment et on lui dit la valeur ou l'objet est choisi. D'accord? Alors pourquoi la Mishnah a besoin maintenant de nous enseigner cette halakha pour les bons gens qui s'entendent très bien et qui décident de se partager en bons termes? Toi tu prends le fauteuil et moi je prends la table. Pourquoi on a eu besoin de le dire? Aval Bizman, on reprend dans les mots. Aval Bizman, Shishnem Rotsim. Mais lorsque les deux sont d'accord, Afelobe Pachot Mikan Yachloku. Même avec moins que ça, ils pourront se partager. C'est évident. Le but en fait, la Gemara explique, c'est pour arriver sur la suite de la Mishnah. Mais qui devait à Kodesh? Par contre, les écrits saints, les Sfarim, les livres de Torah, Afal Pishnehem Rotsim. Même si les deux veulent se partager, ils ne pourront pas imposer à le couper en deux. C'est-à-dire, imaginez qu'on prend un Sefer Torah, Kitva Kodesh, c'est des rouleaux en parchemin, ça peut être un Sefer Torah, ça peut même être un seul des cinq livres de la Torah, avant d'écrire des parchemins surtout, il y avait le Sefer Torah qui était les cinq livres en même temps, il y avait ce qu'on appelait un Chumash, qui était uniquement un seul livre, il avait une Gdusha moins grande, mais qui avait quand même une Gdusha, il y a idem aussi avec les livres des Nevi'im. À notre époque, ça n'existe plus tellement, si ce n'est certains Ashkenaz qui sont marmirim à lire la Haftara, le Shabbat, dans un livre en clave sur l'Ongon de Vilna. C'est une très bonne chouma de le faire. Le père, il a laissé un clave, le Sefer Melachim. Alors maintenant, imaginez qu'il y en a qui dit, tu sais quoi, je prends du premier Perek au dixième Perek, après on coupe, et toi tu prends du dixième Perek jusqu'au, je ne sais pas où ça se finit. Alors là, on ne pourra pas le partager. Afal Pishishneem Rotsim, même si les deux veulent, Lo Yachloku, ils ne pourront pas le partager en deux parce qu'on ne va pas se mettre à couper un livre Kadosh pour se le partager en deux. Par contre, on ne parle pas de livre avec relure, parce que je pense qu'avec un livre avec relure, on pourra très bien dire, tu sais quoi, tu prends Babakam Ababa Metsiya, et ici on partage le livre, on remet une relure en deux, c'est pas tellement conséquent. Je pense qu'on pourra, oui, hein, s'ils sont d'accord, ils pourront se le partager de cette manière. L'Agma évoque effectivement la solution. Si on a un grand, on a mis les 24 livres du Tanakh en même temps et on décide de le partager après le deuxième, là il n'y aura plus de problème de nouveau. Pourquoi? Parce qu'on sépare entre les livres. Mais un même livre, on ne pourra pas le partager en deux. D'accord? Donc, Afal Pishishnamel Rotsim, Loyer Floko, même si les deux veulent, ils ne pourront pas le partager en deux.
On fait à présent le Bartenora. En Holkin et Tafatser, on ne partagera la cour. En Echad Minashutafim, Yachol Akuf et Chavero Lechalek Achatser. Aucun des deux associés ne peut imposer à son ami de se partager la cour. Achiyehebo Arba Amot Lekol Echad Minashutafim. Jusqu'à qu'il y ait en lui 4 Amot, 4 coudées pour chacun des associés. Chutz Minaptachim. En plus, à part les 4 Amot des Ptachim. Il explique. Shekol Bait Shebechatser. Toute maison ouverte sur la cour, tsarir sheyehe lifne pitro dalet amot. Il faut qu'il y ait devant sa porte 4 amot, le farek masaro me'al chamoro, afin de décharger la charge du dos de son âne. Vechutz me'otan arba amot, et à part ces 4 amot, tsarir sheyehe bachatzer dalet amot acherot lekol echad min hashutafim. Il faut qu'il reste dans la cour, en plus de ces 4 amot devant la porte, 4 amot supplémentaires. Pour ce qui sera concrètement la cour pour peindre les meubles. D'accord ? L'ishar tashmishin pour les autres utilisations. Ve az, et alors, yé bachatzer din chalouka. Il y aura enfin dans la cour ce qu'on appelle le din chalouka. Il y a de quoi se partager en deux. Rabbi Yehuda Omer tishar chatzai kabin. Sur ça, maintenant, on est sur le champ. Chachamim avait dit 9 caves pour chacun. Rabbi Yehuda a dit 9 demi-caves, la moitié. En réalité, mar kiadre ou mar kiadre. L'un parle selon les données de son endroit. Atré, ça vient de atar, d'ailleurs, même en hébreu, et le mot en hébreu moderne aussi, atar, un lieu, un site et, sur internet ou un site touristique. En tout cas, Marc Atré, lui, comme son, ça vient de l'araméen. Atar, c'est un lieu. Lui, il a parlé comme dans son lieu. Omar Katré, lui, il a parlé comme dans son lieu. Vélo pligé, il n'y a aucune discussion entre eux. Beatre de Rabbi Yehuda, dans le lieu de Rabbi Yehuda, Haïta, Osatvua, Sadebat, Tishachatzei, Kavin, Kesadebat, Tishachavin, Badrayo de Rabanan. Dans le lieu de Rabbi Yehuda, le champ produisait la même quantité de céréales avec 9 demi-caves, comme un champ qu'il fallait 9 caves dans le lieu de Rabanan. Betrova, maintenant, on est sur la suite avec, lorsqu'on a parlé de la Guina, on a dit le potager, le verger, il fallait là-bas Khatsikav, selon Tanakama, et Rabbi Akiva qui nous dit Betrova, Makom Lizroa Borova Akav, un lieu où l'on peut semer un quart de cave, un quart de cave de tomate par exemple, ou Psakalacha. Et maintenant, concrètement, la conclusion halachique de cette Mishnah. En din chaluka bekarkaot haomdot lecharisha velezriya. Retenez cette règle, c'est ce qui nous donne. Il n'y aura de din chaluka, donc où l'on pourra imposer de partager en deux, dans les karkaot haomdot lecharisha velezriya, dans un terrain qui est prévu pour labourer et semer. Ela imken ishaer lekol echad min hashutafim. Uniquement lorsqu'il restera pour chacun des deux associés, karka kede avodat yom echad bacharisha ou bezria, un terrain suffisant pour un travail d'une journée en labourant ou en semant. Vekayot sebaen et déduisez tout seul. Ensuite, moran ou traklin, c'était deux mots dans la Mishnah, minepaltinen, ce sont des sortes de demeures un peu originales, de pavillons, de châteaux. Kedelezé, là on est tombé dans la règle. Non, c'est avant l'arrivée à la règle. Il fallait qu'il reste Kedelezé et Kedelezé. Pour assez pour l'un et assez pour l'autre. Kedemefarech Vazil, comme la Mishnah nous l'explique ensuite, Shaleachar, Shayachloku, après qu'il se le partage, Veitol, Kolechad Chelko, et qu'ensuite chacun prend sa part, Yébechelek, Kolechad Mehem, Makom Raoui. Il faut qu'il reste un dans la parcelle qui est revenue à chacun. Makom Raoui, un lieu apte, chez Ikare Traklin Omoran, à s'appeler encore un Traklin, un château ou un Moran ou un pavillon ou je sais pas, dites-le comme vous voulez, chez Ishaer Biktsato, un manoir. Chez Ishaer Biktsato, Hashem Shaya Bekulo. Il faut qu'il reste en micro, ce qui a le nom qu'il y avait dans le macro. D'accord ? En mini, ce qui reste dans le maxi. La même notion. Bisman chez Enchneim Rotsin. Attention, toute cette Mishnah ne parle que dans un cas où Enchneim Rotsin, les deux ne veulent pas se partager, c'est-à-dire l'un veut et l'autre ne veut pas, donc il va venir de force. En Yachol Ha'echad,
l'un ne peut pas forcer l'autre, la kouf et travero, forcer son ami, l'achlok al-kochod, à partager malgré lui. Aval, attention, quand on a dit qu'on ne peut pas le forcer à se partager, ça veut dire couper en deux. On va prendre ce stender, on va le couper en deux. Là, et on ne pourra rien faire avec un demi-stender. Par contre, aval yachol akufo l'inyan godo igud, il pourra quand même le forcer par rapport au fameux, la fameuse alakha de dire godo igud, klomar, c'est-à-dire ce que je veux dire godo igud, kne chelki, o mechor li chelkecha bema shemushave. Soit tu achètes ma part, soit tu me vends ta part, bema shemushave, contre la contre-valeur. Attention, je reprécise aussi. Si l'un a laissé, si il a laissé une chaise et un stander, et que c'est la même valeur, on ne va pas lui dire « Ah, tu prends toi la chaise et moi le stander » ou le contraire. Non, 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 non. La chaise indépendamment et le stander indépendamment. La chaise, ça coûte 300 shekels. Tu vas faire 150-150. Et après ça, le stander, c'est de nouveau 300 shekels. 150 ou 150. Choisis qu'est-ce que tu préfères. Ensuite, « Vekidve Kodesh, les écrits saints, Torah, Nevi'im, Uktuvim. Le Sefer Torah, les cinq livres de la Torah, Nevi'im, les livres des prophètes, et les Ktuvim, les agiographes. Lo yachloku, il ne pourra pas se le couper en deux. Vedavka kshehem bikrach echad. Attention, on ne parle uniquement lorsqu'ils sont bikrach echad, dans une seule, un seul rouleau de parchemin. Aval bikrachim arbe, par contre, s'il y a plusieurs parchemins, c'est-à-dire, par exemple, lui, il a laissé Sefer Yoshua, indépendamment, Shoftim indépendamment, mais Shmuel indépendamment, Melachim indépendamment, alors on pourrait dire, tu sais quoi, prends-toi Yehoshua et Shmuel, et moi je prends Shoftim et Melachim. Alors, Vedavka, Kshem Bikrachad, ils sont toutes notre mission, ne parle uniquement lorsqu'ils sont dans un seul rouleau. Aval Bikrachim, Arbe, par contre, ils sont dans plusieurs rouleaux. Kol Sefer Bifnatsmo, chaque livre, il est indépendant. Imratsu Cholkim, s'ils veulent, ils se les partageront. Tu prends deux et moi deux. Par contre, on ne pourra pas imposer à l'autre de se partager, de prendre, de lui dire, tu sais quoi, prends-toi Yehoshua et Shmuel, et moi je prends Shoftim et Melachim. On ne pourra pas dire ça, je ne peux pas t'imposer. Comme ce qu'on a dit, que chaque livre, il est indépendamment, et il est indépendant des autres. Puisqu'on ne peut pas le partager, le livre de Yoshua, on ne peut pas le partager, avec lui, je dois te faire Godo Igud. Et idem avec Shoftim, et idem avec Shmuel, et idem avec Melachim, et ainsi de suite. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.